Mesdames et messieurs, je tiens à m'excuser pour l'audio dégueulasse que vous allez entendre. Suite à une mousse restée un peu trop sur mon micro, l'audio est juste pourri. Mais la vidéo, par contre, vaut son pesant de cacahuètes. Je hurle, je déconne et je pète un câble. Je vous souhaite donc à tous une bonne vidéo, n'hésitez pas à partager. Salut à tous! Salut YouTube! On est sur Megazombie, mais aujourd'hui, on s'en fout du jeu. C'est un free-to-play qui vient d'arriver, vous allez le découvrir aussi. Hein. Très bon jeu, un petit peu... bon, on va dire. Mais, il faut que je vous parle d'un truc. J'aime pas le mot. Un truc que j'appellerais d'enculade. Pardonnez-moi pour le gros mot. De chier. Mais là, ça va chier. Alors, je voulais bien évidemment faire une vidéo sur le jeu 13, qui est pour moi un jeu de mon enfance. Très très bon jeu, qu'est-ce qu'il me tient dessus? Donc ouais, je voulais jouer à 13. C'est un zombie. Très très bon jeu de mon enfance, qui a marqué ma génération, qui a... pour moi, qui avait le potentiel monumental, j'avais donc. Saloperie! Tu lags, enculé! Tricheur! Pardon. J'avais donc pris le jeu. Le remaster. Qui est une vraie... merde. J'essayerai de vous placer des extraits pour vous montrer à quel point c'est une grosse merde. Bugué comme pas possible. Des interactions qui ne peuvent pas se faire. Le jeu est mou. Pourri du chiot. Mais vraiment, voilà. Je suis dessus. Donc, je suis en courant même. Enfin, on utilise avec celui. Pour me faire rembourser cette espèce de boule monumentale. Qui se nomme 13. Enfin bref. On est aujourd'hui sur Megazombie. Un petit free to play qui me fait. Mélange. Enfin, ouais, qui fait penser un peu à. Au multi de. World War Z. World War Z, dont j'attends d'ailleurs la suite. Parce que j'ai vu que. Vu que j'avais le jeu, il nous offre. Oui, quand on a vu le fameux. World War Z After Mars. Je sais pas si je le dis bien, mais voilà. Donc petit jeu sympa hein, pour se détendre, rigoler, parce que ça m'éteint. Je suis en colère. Oh là. Je sais pas ce qu'il leur a pris. Alors les développeurs, c'est Microïd. Je sais pas ce qu'il leur a pris à Microïd, mais c'est de la daube. En fait, ce jeu. Il n'a même pas lieu d'être. Le jeu 13, hein, je parle, pas ce jeu-là. Même ça, à la rigueur, vous voyez, c'est mieux. Enfin bref. Je gueule et... voilà, je me suis fait piquer aussi, j'ai un mal de crâne monumental. Voilà. Enfin bref, donc ça oui, très très bon jeu, qui a deux modes pour l'instant, Last Man Standing. Où vous avez toutes les... je ne sais pas combien de temps, vous avez justement les zombies qui se... qui arrive. C'est assez sympa, c'est marrant. Fun à jouer, très intuitif, très réactif. Un peu déconnant. Ça change. Pour un free to play. Je suis en train de préparer, parce qu'en fait j'ai fait deux vidéos qui ne sont pas sorties dû à des problèmes pourris. Je l'ai trouvé pourri. Je vais sortir une vidéo sur un jeu qui s'appelle Vampire. Enfin, sortir une vidéo d'une heure qui sortira dimanche, que je tournerai dimanche. Pour présenter Vampire, c'est un jeu coup de cœur. Franchement, mon jeu coup de cœur pour l'instant. Ah, ça collègue. Ouais, ça collègue. Oui, par contre, ça l'était pas. Allez,
Monte ta gueule. Monte ta couenne. Donc chaque fois qu'en fait les sirènes retentissent, une horde de zombies vient nous attaquer. Monte ta couenne. Il était derrière moi. Salaud. Je trouve sympa comme jeu, franchement. Il y avait une saucisse ou quoi là? Oui, il y a une saucisse qui saute. Hein. Ils sont partis, les développeurs, là, dans un délire. Quoi? Ah! I'm reloading. Je vais par là. Les maps sont vachement grandes en fait, on comprend rien du tout aux maps. I'm reloading. Mais c'est plutôt sympa. Depuis tout à l'heure, je lui tire dessus, il me met une tête comme ça. Fumier. Fumier. Oh, oh. Voilà. Tu m'auras pas. Laisse tomber, tu m'auras pas. Il n'avait rien. I'm reloading. Tu as tué John Doe? Comment ça? Il était un zombie? Enemy spotted. Je comprends rien, hein, des fois. Ah. Ouais, salut! Ouh, petit fumier là. Encore un attaqué des bisons derrière nous. Il me tombe ça. On ne sait jamais. Des fois, c'est une panne. Oula. Le côté reloading, ça me fait penser un peu à Left 4 Dead. Ah putain, Back 4 Blood qui sort bientôt. J'ai hâte. J'ai très très hâte. Très très hâte. Ah là là. Mais fumier! T'as eu 2 minutes! Fumier! Quand je. Non, mais je suis en train de repenser, pardon. Quand je pense. Que j'ai pris le jeu. 13 alors que j'aurais pu prendre Pain Tower Red. Ça me. Coupe le sifflet, ça me coupe la chic. Excommunication. I'm reloading. Faut peut-être un sniper, un truc comme ça. Faut être sympa pour ce mode de jeu. Tiens. Je te fume, Max. Putain, je l'ai pas touché, fais chier. Fumier, tu veux pas mourir un peu? Précision, le mec il a dû passer sa vie dessus pour avoir une nouvelle arme. Oui, parce qu'en fait vous utilisez les crédits que vous gagnez pour acheter de nouvelles armes et de nouveaux équipements. La fumée.
fumier. Mais lâche-moi. Rentre donc chez Tati. Oh putain. Voilà. Vous avez acquis le BUF de rechargement plus rapide. J'en ai vu un là-bas. Je lui dessoude sa race. Là, là. Ah bah il est mort. Comment il est mort ce con? Il m'a vu, il m'a fait. Nope, 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 nope. Enfin bref. Pour en revenir à cette histoire, si vous avez l'occasion de prendre le jeu 13, ne prenez pas le jeu 13. Si on vous offre le jeu 13, ne prenez pas le jeu 13. Si on vous paye pour jouer à 13, ne jouez pas à 13. Ah là là. Bon allez, on va aller fumer parce que j'ai l'impression que mon équipe touche la noise. Par contre le nom du jeu me fait penser un peu aux, vous savez, les jeux de téléphone qui essayent de faire de copier certains jeux mais par question de copyright ils ne le font pas et qui nomment leur jeu d'une façon extrême quoi. Ah on a gagné 28 queues, 29 queues. Ok cool. Vous savez genre super méga rocket ballon super bowl into the je chope la baballe un fusil à baïonnette pour Katniss, pas mal. Je vais vous montrer ce que ça donne l'autre mode. Voilà. Échec des trous, une correspondance. Hein? Ah tant pis. Ouais. Donc là c'est un espèce de classement de standing, PR, Battle Royale, appelez ça comme vous voulez. Mais pareil, il y aura des stromos sur la map, si on spawn. Les monstres peuvent nous buter, nous déloger. Attends, ça veut dire que... Ouais. Ok. Je pense pas que ça va être long parce que je risque de crever comme une merde très vite. Car je ne connais pas la map, je ne connais pas tant que ça le jeu, j'ai fait 3 parties dessus. Be the last man. Être le dernier homme. Je vais me placer en hauteur si je peux. Boum. Je lui ai canardé sa teuté. Malheureusement, je crois que je... J'hésite en fait à courir le long du mur. T'es monté où? Là va là. Être plus fort, perdre. Bon bah écoutez, on va s'en retenter une, hein. Pourquoi pas. Puis après bah écoutez, on laissera tomber. Attendre les ennemis. Jungle.
Il est le plus fort, le plus redoutable, c'est Jean Bond. Jean Bond. Jean Bond. Il est le plus miskin. Il pète les portes. Il pète encore les portes. Il rentre chez les gens par fracas. C'est Jean Bond. Aurais-je pété un câble? Oui, mais c'est Jean Bond. Putain, Satin Ward, Orange public. Et même pas privé l'orange. Mais regarde-le! Regarde-le! Il se défend avec une porte, le machin! Quoi? Mais tu t'es défendu avec une porte, frère! Frère, t'as pas le droit! Je vais me faire péter un câble. On y retourne! C'est ça qui est bien, c'est rapide. Trouver des matchs très vite. Attendre les ennemis, car c'est Jean Bond. Tout à l'heure on était là, maintenant on est là, c'est Jean Bond. On va monter là-dessus. Je travaille demain, je travaille dans le commerce, et je me nique la boîte. Oui. Mais on s'en fout, c'est Jean Bond. Il crève les feux. Il tabasse les camions. C'est Jean Bond. Biselassement. Et je suis mort. Une dernière, vraiment, vraiment. Non mais là, vous m'y obligez, c'est la dernière. Après, j'arrête, promis. Par contre, regardez ces lumières comme elles sont belles. Un petit peu un style voxel, mais franchement beau. J'espère, franchement, que le développeur va agiter le drapeau pour changer les jeux. Parce que franchement, regarde-moi ça comment c'est beau. Même si c'est un jeu aujourd'hui, peut pas faire pareil. Quel est beau. Attendre les aînés dans la forêt. On était quatre tachelous, puis il y en avait un dans le bachelou. Ça va. Ah oui, mais par contre là, c'est trop là. Il n'y a rien pour se planquer. Ah, ta gueule! Ne tire pas dessus! Ouais! Vous avez acquis une boisson énergisante. Ce qui fait que j'ai plus d'endurance, enculé. Oh, je l'ai vu. Et là-bas, nous avons record de fromage. Record de fromage face à Jean Bond. Headshot! Le record de fromage a fondu! Face à Jean... Oh! J'ai mal au crâne à cause du vaccin. Et comme un connard... J'ai rêvé ou il y a un truc qui m'a tiré dessus par derrière. 7 sur 15. On les cherche. On les cherche. On les goume. On les gomme. On les dégomme. On les dégnoume. C'est Jean Bond.
Meilleur que Herta. Meilleur que Cogenou, c'est Jean Bronze. Ah, il m'a fait sursauter, l'enculé. Bon, cette fois-ci... je me fatigue tout seul. Non, vraiment, je me fatigue tout seul. Bon, bah, petite découverte sympa pour vous. Moi, je vais continuer le jeu. Putain, les zombies qui se tiennent derrière, c'est sympa. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à partager, tout ça, tout ça. Moi, je m'en vais reposer mon crâne. Eh oui, un jambon d'un mal au crâne de temps en temps. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir supporté. Je vous souhaite à la prochaine. Je vous souhaite à la prochaine. Oui. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une agréable soirée ou journée pour ceux qui mangent. Bon appétit pour ceux qui sont en train de manger. Bon Hanouka pour ceux qui le fêtent. Joyeux Noël si vous regardez cette vidéo à Noël. Bonne année 2025. On prend en avance. Ah, attendez. Des doctrines. Non, je ne sais plus tard. Allez, sur ce les Vikings, portez-vous bien, buvez bien, levez votre corps, let's go!